Mes petits Chris! Vous savez, moi, j'adore fouiller le web pour trouver les affaires les plus fuckées. Et encore aujourd'hui, j'ai trouvé pour vous une page Facebook avec laquelle je suis tombé en amour. Oh! L'amour véritable entre un humain et une machine. Oh! J'ai pas peur d'y insérer mon pénis dans l'hélice. Oh! Que ça me coupe le bout. Oh! L'amour avec un grand A. La page, c'est les Illuminés du Québec. Pis tabarnak, c'est quelque chose. C'est du bonbon, la gang. Fallait que je vous en parle. Un bijou comme ça, là, ça doit pas passer inaperçu. Le principe de la page est simple. Ça retrouve toutes les publications des Illuminés du Québec. Ça les regroupe sur cette page-là. Allons-y de ce pas, voir ce que ces génies des temps modernes pensent. Et oui, la musique qui joue, j'ai besoin de me grandir, là. Écoute, c'est du 900 MHz, là. Mais y a pas de musique. Et oui, la musique qui joue... J'ai besoin de me grandir, là. Écoute, c'est du 900 MHz, là. C'est parce qu'il n'y a rien qui joue, fille. Ceux qui m'écoutaient puis qui commencent à se réveiller, c'est correct parce que quand le train va frapper, ça va vous frapper pas mal moins fort. Parce qu'il y a du stock, là. Il y a des affaires qui s'en viennent, la gang. La fin du monde, ça s'en vient. Le grand Ostromadus le dit. Faut vibrer et faut illuminer aussi. Alors, ouais, tu le vois au-dessus de ma tête, là, oui. Les faisceaux, effectivement, c'est comme ça. C'est un reflet de vide, tabarnak, niaise-moi. Regarde la lumière dans ma face! Je suis Jésus, calice! Les faces de bouc. D'ailleurs, j'ai un petit message à toutes les personnes âgées qui regardent cette vidéo. Arrêtez, tout de suite, de manière immédiate, le jeu de mots, face de bouc. OK! Les Facebook, les Tinder, les TikTok, les Instagram, c'est une dépendance. Le gouvernement tient à faire, tout simplement, parce que quand il te tient dans une forme de dépendance comme ça, ouais, tu es hypnotisé. Ouais. Okay? Et tu es gelé. Tes ouais, trois cerveaux sont hypnotisés, ton conscient t'es, est conscient. Tes trois cerveaux? Premièrement, fille! Tinder, ça appartient pas au gouvernement, là, calice! Penses-tu que swipe et droite, swipe et gauche, c'est le gouvernement qui... Hey, tabarnak, dude! Trois cerveaux sont hypnotisés, ton conscient, inconscient et ton reptilien. Donc, ils maintiennent ton cerveau reptilien dans la peur, OK? Tout simplement. Et plus que tu es dans la peur, plus que tu es... On est-tu rendu ces reptiliens en début de... Sors-moi la carte de bingo des conspiracies, esti! On est rendu des reptiliens, j'en viens, tabarnak! Guys, on a trois cerveaux! Tinder, ça appartient au gouvernement! On se réveille ensemble! On sera plus des moutons, on va être des lions! Et ton inconscient, lui, ben, plus qu'il entend des choses, la peur, le COVID, les ci, les ça, mais pour ton inconscient, à un moment donné, ça devient ce qu'on appelle le présent. À force de toujours répéter les mêmes choses, OK? Ton cerveau, il finit par prendre ça pour du cash, tout simplement, et il prend ça comme pour la réalité. Mais c'est pas la réalité. Ce n'est pas, c'est du brainwashing. Est-ce qu'elle vient de décrire exactement c'est quoi les théories du complot? Genre, est-ce qu'elle a fait un cercle complet sur les théories du complot? À force de se faire dire des affaires de même dans la tête, championne, est-ce que tu penses que c'est vrai? Mais c'est pas la réalité. Ça, c'est un TED Talk, mes amis. Moi, je suggère une marche devant les postes de police de vos villes respectives sans masque ni distanciation pour aller chercher nos tickets. Qui serait partant? Le dude, il va faire ça, il va se ramasser avec un autre ticket. Hey, moi, je suis content parce qu'en ce moment, là, c'est tous les coucous, là, qui t'entraînent de tout payer nos routes. À force de se faire payer des tickets de même. La 40, elle va être belle en tabarnak l'an prochain. En rentrant, vu que t'as touché à la poignée de porte, il y a un autre pot de gel. Bon, pas, hein. Faut que tu te relèves les mains, ouais, sinon elle te fait pas payer. Ouais. Hostie de calice de crise de folle de tabarnak. On te demande de laver tes mains. On te demande pas de mettre à genoux pis de sucer une graine. J'ai jamais vu autant de résilience envers l'esclavage et la dictature. J'ai honte pour nos ancêtres. Pendant que vous autres vous faites vos recherches, ok? Moi j'ai checké une couple de reportages là, dans les pays de la dictature, ok? Écoute un petit 10 minutes de comment c'est en Corée du Nord, ok? Tu viendras pas me faire chier avec ta dictature au Québec de porter un masque. Une espèce de légume brain washé au COVID-19, distribuer des bonbons à l'Halloween. Ouais, vas-y. Regardez bien ça, vous allez capoter. Moi, d'après moi, ce que je pense qui va arriver, là, parce que c'est un légume brainwashé à COVID, il va leur garrocher des bonbons dans la gueule aux petits-enfants. Moi, en tout cas, je capote. Je peux pas croire qu'un... Ouais, c'est ça, je peux pas croire qu'un être humain, si, peut se faire quelque chose d'aussi imbécile. Ah ouais. Imbécile, si ça n'a aucun bon sens. C'est sûr, il va leur pitcher d'en face. Regardez bien ça. Ben, il est outré, c'est sûr, c'est ça, là.
Il va leur garrocher, check ça. Là, bon, il est outré parce qu'il utilise un hostie de perche à piscine pis des pinces. T'es outré par ça, toi! Bye bye! Je suis porteur de lumière! Non, ça se peut pas! On a créé une fondation dans laquelle on a amassé des fonds dans le but justement d'informer les gens avec une page Facebook qui est la page de la fondation. Également de mobiliser les gens avec des événements qu'on a créés tout au long de l'été en collaboration avec d'autres organisations. Mais on est quand même fiers d'avoir été les organisateurs des plus grands événements comme les deux événements à Montréal. Je préférerais aller vivre dans le milieu carcéral. Au moins, il y a des repas de restaurant et les gyms sont ouverts. Tu peux te faire enculer aussi, Eric. Tu peux te faire poignarder aussi si tu... si t'as pas les bons amis. C'est-tu d'Eric de tabarnak, de privilégié de calice? Fais un crime pis va en prison, dude! Tu peux! Y'a honnêtement rien qui t'empêche de le faire! Allez-vous me croire si je vous dis que des restaurants cannibales existent à New York? Oh oui, moi je te crois, j'ai vu quelque chose qui parlait de ça. C'est-tu moi où à l'époque nos parents nous disaient de pas croire tout ce qu'on voit sur Internet? À ce temps, j'ai l'impression que c'est les adultes qui croient tout ce qu'il y a sur Internet. Les faces de bouc. Tout compte fait un interdit de festoyer Noël se pointe à 99,99%. À nous de défier les ordres des ordures. Et si par malheur la police se pointe chez vous, considérez ça comme une invasion de domicile et agissez en tant que tel. Qu'en pensez-vous? C'est pas une invasion de domicile si la personne a cogne chez toi et tu lui ouvres la porte. Tu vas faire quoi, tabarnak? Si la police se pointe à la porte, appelez la police! Trump, plus populaire que Jésus. Non, il y a une différence entre populaire et connu, tabarnak. Je serai la goutte qui va faire déborder le verre. Oh non. Oui, la loi 61 est lui, la fondation, qui a mis de la pression sur les députés. Et, en ce moment, ça joue dur. Menace de diffamation, etc. Mais il continue d'avancer et de se battre pour nous et pour l'avenir de nos enfants. Hein? Daniel, tu sais pas écrire. Ne croyez pas à ce que disent la Bible, car elle n'a pas été créée par Dieu, mais par l'élite mondiale. C'est ça qui est génial avec ce genre de mouvement-là, c'est qu'il y a... Il y a pas de loi. Il y a pas de... D'un côté, la Bible est Jésus, et de l'autre, c'est l'élite mondiale qui a créé la Bible. Il semble que plusieurs me considèrent curieusement étrange, car j'ai croisé le chemin d'un scientifique avec qui je clique. Je l'ai cuisiné et il m'a dit qu'il n'y a pas de nanoparticules. Je voulais juste partager ce qui me semblait être une nouvelle rassurante. J'ai dit que le vaccin qu'il prépare n'a pas de composantes technologiques, selon un Canadien scientifique. C'est si dur à comprendre, j'ai eu zéro menace et zéro pot de vin. Ça veut dire que le dude, le complotiste, il s'est rendu compte que c'était pas vrai qu'est-ce qu'il disait, pis là, le monde le croit pas. Lui, il comprend pas que le monde le croit pas. Oui, neige, n'importe quoi, là. On va l'avoir, notre débat. Oui, même. La discrimination, la désinformation. La partialité. Et voilà. Fait que, on se bat, on continue. Mais on se bat pas, en fait. Un beau combat. On se bat! On se bat pas! Un bon combat! Ça résume toute leur façon de penser. On est très raisonnable, on est très pacifique. Notre demande, elle est très pacifique et raisonnable. Donc là, on vit de la discrimination. Pourquoi ils veulent un débat? Préparez-vous, ma gang de caves qui parle juste du COVID-19. On vous aura prévenu que ça cachait beaucoup plus que la COVID-19. Déplacement de l'artillerie militaire américaine à la frontière du Québec. Power of QAnon, tabarnak! Pas l'hostie de QAnon! Bruh! 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 J'ai fait mes recherches. Ça vient de 4chan, dude. 4chan, c'est le site le plus troll au monde. Ils ont fait à craindre à du monde qu'un iPhone était imperméable, pis y'a du monde qui l'ont crissé dans l'eau. Dude, tu peux pas craindre une affaire qui vient de 4chan. Une fête d'Halloween a mené une éclosion de 4 cas de COVID-19 en Montérégie. On s'en calisse. Rendez-nous nos vies. Comme si le devoir tenait nos vies. Radio-Québec. Mon opinion, intuition et ressenti sur le niaisage continu, c'est la faute à Blais et sa fondation prévue d'avance qui est l'opposition contrôlée et arrangée de toutes pièces avec logo. Ça fait un cercle, dude! Blais, c'est supposé être un conspirationniste! Mais là, le monde, il pense que lui aussi, c'est un des leurs! Ils remettent dans les annonces cette année encore une tractée au comité.
Tommy, mais là, c'est à cause de la COVID. Là, le monde, il va falloir qu'il allume. Ceux qui sont pas allumés parce qu'il y en a une gang d'allumés. Je les compte même pas parce qu'il y en a beaucoup. Puis à un moment donné, c'est assez de s'en faire pousser dans le nez. C'est moi ou le monde qui sont allumés? Je leur prêterais pas mon char, mettons. J'ai l'impression que le monde qui sont allumés, là, tu leur donnes un sachet de coke, 3 grammes de crack, puis ils sont partis pendant 8 heures. T'y revois plus. T'as disparu. C'est le monde allumé, ça, la gang. Ils m'ont même lancé mon sac de patrouille dehors en écrivant « trou de cul » à ce que j'ai entendu dire. Après 10 ans à Laval, tu sais. Non, ok, ouais, mais tu sais pas d'où tu... Ouais. On est tous là, aujourd'hui, pour faire... valoir nos droits encore une autre fois qui sont bafoués. Merci à vous, puis passez une bonne journée. C'est parce qu'on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas les mêmes droits que eux. C'est deux pays. Hey, bonjour, on est devant Radio-Canada pour exiger un débat public entre les experts du peuple et les pseudo-experts du gouvernement. Il a tellement l'air d'un expert du peuple. C'est quoi un expert du peuple? C'est un gars qui ramasse son chèque de BS? Y'a pas plus expert du peuple que ça, là! Oh non, tabarnak! T'es payé par le peuple! Ils vont faire un montage, on va vous montrer un petit peu... on est une petite gang, on est une soixantaine, centaine, je sais pas, on sait pas compter, y'a du monde qui vient, qui repart. Ça fait que je vous tourne l'écran pour vous montrer... on va faire le tour. Je peux pas. Ok, c'est eux qui veulent un débat public à la TV. Je peux pas. Dude, c'est quasiment une game de ballon chasseur qu'ils ont. Voyons donc, gang. Cher ami, ce soir, j'ai soupé avec deux amis et leur enfant. Nous avons fait du barbecue, j'ai du vin. Toc, 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 la police arrive. La Gestapo et les disciples ont frappé à ma porte. Le communisme, la dictature, la fascisme est tout près. Deux autos de police devant chez moi. La Chine, la Corée du Nord, Cuba, c'est maintenant ici chez nous au Québec. Bienvenue à vous tous. Ce serait pas justement un fameux vaccin qu'on met dans la bouche, là, ça existe, là, des vaccins, je sais plus comment ça s'appelle, là, mais... Des vaccins mais qu'on met dans la bouche! Qu'on boit plutôt que des que, sirops, là, est-ce que quand on se le fait injecter. Convoi de véhicules le 24 octobre. Question, le convoi de Laval passera par la 25, or le pont de la 25 est payant. On va-tu se faire charger des frais de passage pour nos autos? Franchement, si tu as peur de mettre 5$ pour libérer le QC de la plus grosse dictature planétaire depuis Cameroun Rouge, restez chez vous, monsieur! D'où tu sais à qui s'en va cette 5 piastres-là? Le gouvernement! Oh my god, son cave en tabarnak! Oh non! Je suis aujourd'hui de source très sûre que c'est Arruda, notre premier ministre du Canada. Le Canada en tutelle, notre pays en faillite, Legault et Trudeau dirigent plus rien. Salut tout le monde au Québec! Tout le monde parle des hélicos militaires qui passent, mais je dois vous avouer que ce week-end, en revenant sur la 20, j'ai vu moi aussi quelque chose de très anormal. Il y avait environ une vingtaine de camions U-Haul qui se suivaient l'un en arrière de l'autre, avec une voiture noire à chaque extrémité. Deux jours plus tard, je m'en vais magasiner à Victoriaville et là, bizarrement, je croise 8 voitures de police qui se suivaient l'un en arrière de l'autre. Tout, c'est juste si un déménagement, je veux que je te dise. Ils ont peut-être dû déménager un entrepôt, un magasin. C'est vraiment des coucous, dude. Si jamais vous voulez vous amuser, allez suivre la page Facebook Les Illuminés du Québec. Ah si, ça me fait capoter, man, à quel point que le monde sont cave, mais cave. Sur ça, si j'espère que t'as aimé la vidéo, si là, aime-la, partage-la, va me regarder sur TikTok, Facebook, Instagram, tout le kit. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais me préparer, j'ai une couple de sketchs à écrire, puis une soirée d'humour après.